Ah, les îles de Delos. Les deux faces d'une seule et même pièce. Delos, lieu de naissance sacrée d'Artémis et d'Apollon. Et Mykonos, lieu de toutes les pratiques qu'on interdit sur Delos. Dis-moi le message encore une fois. Mystios, porteuse d'aigle. Ça, c'est toi. Podarkes, cruel dirigeant des îles de Delos, nous prend notre argent et nous prive de nourriture, tout ça à cause de son... Insatiable. Oui, son insatiable soif de pouvoir. Podarkes est au nombre de mes ennemis, Barnabas. Ce qui traque ma famille. Continue. Nous sommes un modeste mais farouche groupe de rebelles, prêts à te payer grassement pour nous aider à renverser cet infâme oppresseur. Je prie pour que les vents te conduisent sans tarder vers notre rivage, Mystios. Notre peuple se meurt. Signé, Kira. Je dois y aller. Le travail ne va pas manquer. Une fois encore, les dieux nous arrachent à un paysage magnifique. Le message indique où trouver Kira ? Deux endroits sont mentionnés. Un campement sur la côte nord-ouest et un repère qui a l'air d'être sous la ville. Il est temps que je rencontre cette Kira. Je vais tenir le navire prêt au cas où il nous faudrait partir rapidement. C'était à Kefalonia, ça. Et surtout à cause de toi. Kéré, Cassandra. Kéré, Barnabas. Mykonos est bien plus animé que Kefalonia. Marcos se plairait ici. Voilà le repère des rebelles. Bon endroit pour un repère. Ah.
cherche celle qu'on appelle Kira. Je suis là pour répondre à un appel à l'aide. Manqué. Tu viens nous espionner, Athénienne. Ou peut-être es-tu Athéna elle-même, déguisée en vagabonde. Tu trouves que je ressemble à une espionne? Podarkes et ses hommes nous ont traqués et tués sans pitié. Ces espions sont partout. Il ne s'arrêtera qu'après avoir tué tous ses opposants. Nous sommes tout ce qu'il reste de la résistance. C'est la première nuit où nous n'avons pas à nous battre pour survivre. Et c'est peut-être la dernière. Et soudain, te voilà. Voilà la raison de ma venue. C'est ton symbole, n'est-ce pas? Tu es la Mystios qui porte l'aigle de Zeus. Toutes mes excuses. L'époque est dangereuse pour tous ceux qui font la guerre à l'Empire Athénien et à la Ligue de Délos. Mon nom est Kira. Je suis venue t'aider à te débarrasser d'un homme, pas faire la guerre. C'est pourquoi j'ai averti de notre rébellion non seulement la puissante Cassandra, mais aussi Sparte. Podarkes a découvert l'autre campement et envoyé des soldats athéniens l'attaquer. Malaka! Vous êtes trop ivres pour vous battre, toi et tes rebelles. Je vais m'occuper de ces soldats. Si tu crois que je vais laisser passer une occasion de tuer des Athéniens, c'est toi qui as bu. Sparte a répondu à ton appel à l'aide? Un polémarque appelé Thaletas et une poignée de Spartiates sont arrivés sur Mykonos peu avant toi. C'est à leur campement que nous allons, n'est-ce pas? Thaletas a besoin de notre aide, même si on ne l'admettra jamais. C'est bien, Spartiate, oui. Dépêche-toi de me suivre! Allez.
Bien, voilà qui remue les sangs. Il faut que je parle à ce Spartiate. Oh. Ah. Tu t'es bien battu, Kira. Toi aussi, Spartiate. Je l'ai été, oui. Mais il y a longtemps. Le sang spartiate est éternel, étrangère. Quel est ton nom? Voici Cassandra. Celle dont je t'ai parlé. On m'appelle Thaletas. J'étais polémarque des Spartiates, ici. Était? Notre navire a coulé. Nos généraux ont été tués. Nous ne sommes plus que quelques-uns. Nous avons tous perdu des amis dans cette guerre. Et nous les pleurerons plus tard. Elle a raison. Nous ne devrions pas rester ici à patauger dans le sang athénien. Nous serons en sûreté dans notre repère. Allons-y. Tu viens au repère tout de suite, ou tu nous retrouves plus tard? Il n'y a pas de temps à perdre. Allons tout de suite au repère. Combien de temps avant que Podarkes nous trouve? Nous sommes juste sous son nez. Il regarde tellement vers le ciel qu'il ne trouverait même pas la statue d'Artémis à Grotera s'il était posé dessus. Nous savons où il habite. Moi, je dis qu'il faut défoncer sa porte et lui transpercer le visage avec nos lances. Tu appelles ça un plan? Rien ne résiste à l'assaut d'une phalange spartiate. 12 hommes ne font pas une phalange. Tu penses avec ton cœur, c'est ce que j'aime chez toi. Mais tu es désormais leur commandant. Tu dois penser avec ta tête. Vous ne faites que vous cacher dans des grottes ou dans l'ombre. Nous ne sommes pas venus pour nous cacher, mais pour nous battre. Et nous le ferons. Mais le nombre est en faveur de l'ennemi. Alors pensons en tacticien. Cassandra, d'après toi, que faut-il faire? Kira a raison. Se lancer tête baissée serait du suicide. Venir ici était du suicide! Pour l'instant, mes hommes sont sur la grève. Et je vais les rejoindre! Thaletas, non! Si tu tiens vraiment à mener cette rébellion à la victoire, rejoins-moi. Ah, oh, les Spartiates. Ne fais pas attention. Il ira mieux après avoir frappé quelque chose. Mais je suis heureuse que tu sois de mon avis, Cassandra. Retrouve-moi au temple d'Artémis. Nous discuterons du meilleur moyen d'abattre Podarkes. Oh, cette rébellion promet d'être longue. Je vais m'occuper de toi, Podarkes. Ah! Vous allez bouger, oui?
Pourquoi ces chuchotements ? Chut ! Si les soldats nous entendent, ils me tueront. Tu es bien la Mystios au service de Kira et des rebelles. En effet. Oui, c'est vrai. Il y a des murmures sur tes exploits, Mystios. Beaucoup de murmures. Beaucoup de secrets aussi, sur la fille rebelle. Si tu sais quelque chose, parle, et vite ! Si les soldats me voient, ils me tueront. Apollon sait qu'ils ont déjà essayé. Il y a une maison près du marché, condamnée depuis longtemps. Tâche de t'y faufiler, ensuite nous parlerons. Curieux. Je devrais trouver cette maison pour apprendre ce que c'est la mendiante. Cette maison est condamnée. Ça doit être là. Avertissement de Podarkes. Il payait cette femme pour qu'elle ne parle pas. Mais de quoi ? Cette femme a été tuée. Laissée ainsi privée de dignité. Une lance athénienne s'est brisée entre ses côtes. Des traces de pas ensanglantés. D'un enfant qui a dû se cacher dans ce coffre. Des poupées en bois, une mère et un enfant, gravées d'un M pour l'une et d'un K pour l'autre. Il n'y a rien d'autre ici. Il faut que j'aille parler à cette étrange femme. Et qu'a découvert la Mystios ? Un corps. Une femme. Tuée à l'aide d'une lance athénienne. Et c'est tout ? Il y avait une lettre de Podarkes, disant qu'il les tuerait toutes les deux si jamais elle parlait. Mais pourquoi tuer un enfant ? Sauf si... Oh, c'était le sien. Chut ! On nous écoute peut-être. Maintenant, dis-moi, à voix basse, ce que tu as trouvé d'autre. Les poupées, portant gravées les lettres K et M. M est pour mère. Tu m'as demandé pour qui je travaillais. La petite poupée au K. L'enfant, c'était Kira. Oui ! Ce qui veut dire ? Par Zeus ! Podarkes est le père de Kira ! Très bien. Décidément, tu es du génie. Il faut le dire à Kira. Elle ne te croirait pas. Jamais. Toute sa vie, elle a traqué l'homme qui a envoyé des Athéniens tuer sa mère sous son regard terrifié. Mais les dieux ont épargné la petite Kira. Elle s'est enfuie. Kira doit apprendre que Podarkes est son père. Mais je ne le lui dirai que si j'ai des preuves. La femme est venue chez Podarkes un soir pour lui supplier de lui remettre la poupée que Kira avait faite pour lui. Si Podarkes l'a eue, il l'a peut-être gardée. Seuls les dieux le savent. Je trouverai cette poupée. Maintenant, la Mystios sait avec qui elle travaille. Les rebelles méritent eux aussi. Si Podarkes a caché cette poupée chez lui, je la trouverai. Voilà la poupée. Cet endroit est bien gardé. La prudence s'impose.
est Kira? Elle est... Je te manque déjà, Mystios? Kira, j'ai quelque chose à te dire. Cet air sur ton visage, si grave. Assieds-toi et bois un peu de vin. Ce que je m'apprête à dire, toi seul dois l'entendre. Viens avec moi. Maintenant que tu m'as pour toi toute seule, qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'y a pas d'autre moyen de te l'apprendre. Podarkes est ton père. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ce n'est pas une bêtise. Je vais te tuer sur place! C'est impossible. Kira, désolée. Cet homme m'a tout pris. Comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé ton ancienne maison. Je sais, pour ta mère. J'entends encore ces cris. Un tourbillon d'armure bleue et de lames rouges a envahi notre maison. Pour m'enfuir, j'ai dû marcher dans le sang de ma mère. Je n'y suis jamais retournée. Et tu as bien fait. Tu as bien fait de m'en parler en privé. Mes hommes n'ont pas besoin de savoir, pas encore. Mais je t'en prie, laisse-moi. J'ai besoin d'être seule.